Les au revoir ont eu lieu. Le jeudi 5 août 2021, les obsèques de Jacob Desvarieux se sont en effet déroulées aux pompes funèbres à Chauvel, aux Abîmes, en Guadeloupe. Et le moins que l'on puisse dire si est que l'émotion était au rendez-vous. Tout au long de la cérémonie religieuse retransmise en direct, les hommages se sont succédés et les pasteurs présents sur place ont chanté en mémoire aux chanteurs décédés sans oublier de louer le Seigneur, avant tout. 1h30, si est-il le temps qu'a duré cette cérémonie jusqu'au déplacement de son cercueil par les quatre porteurs. Et si est-il d'ailleurs en chanson que le corps du chanteur de Cassave a été emmené pour être inhumé. En effet, comme on peut le voir sur la vidéo retransmise en direct, ces derniers ont transporté le cercueil du défunt sur la musique Cavalier aux Dames, de Jacob Desvarieux et Georges Décimus, tout en se déhanchant. Un coup à droite, un coup à gauche, les quatre porteurs ont chaloupé le temps de se diriger vers la sortie des pompes funèbres. Malgré ce jour de grande tristesse, si est-il donc sur une musique entraînante, à son image, que Jacob Desvarieux a dit au revoir. Un moment qui n'a pas manqué de toucher les internautes. Chaleureuse pensée pour sa famille, à la grande famille de Cassave et à ses acolytes de scène. Reposez en paix Monsieur Jacob Desvarieux a par exemple écrit une fan sur Facebook. Voir la vidéo ici. Obsèques de Jacob Desvarieux, l'émouvant hommage de sa fille a noté que lors de ses obsèques, la fille de Jacob Desvarieux lui a également rendu un vibrant hommage, la mort de notre père a apporté beaucoup de tristesse, pas qu'à nous. Mes frères et moi n'avons pas personnellement beaucoup connu notre père mais nous avons développé beaucoup d'amour pour lui malgré tout. Même si la mort apporte de la tristesse à beaucoup de monde, elle apporte beaucoup de bonnes choses. Elle aide à nous rapprocher de ce qui est réellement important. Quand quelqu'un meurt, on pense aux vivants, on oublie les rancœurs. Aujourd'hui nous avons perdu notre père. Mais pour aller de l'avant, il faut se concentrer sur ceux qui nous entourent. A-t-elle déclaré.